Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing Diamond Arcade, d'une toile en diamant rond. Alors ça, c'est une commande que j'ai fait de deux toiles pour, à la base, cette toile-ci. Pour une fois, je me suis fait avoir à mon propre jeu, c'est-à-dire que d'habitude, c'est moi, la ville tentatrice, qui donne envie aux gens de craquer sur une toile sur laquelle, à la base, ils ne pensaient pas craquer. Soit dans les unboxings, soit en la faisant en live, soit voilà. Cette fois-ci, je me suis fait avoir. C'est une abonnée qui a reçu cette toile et qui a eu la bonne idée de le montrer sur le Discord de la chaîne, le lien est en description. Et je me battais contre moi-même depuis un moment pour ne pas la prendre. En me disant, waouh, il y a peut-être un ou deux trucs qui me gênent un petit peu sur le layout. Je sais pas ce que ça donne. J'ai pas cherché plus. Elle était sortie, je crois, au moment du Black Friday, cette toile. Et quand j'ai vu le layout sur le Discord, j'ai su, ok, j'ai su qu'il fallait que je la prenne. Que c'était genre pas possible autrement. Et puis j'avais une autre toile de Black Friday qui restait dans ma wishlist. Et de fil en aiguille, il y a eu une super promo chez DAC. Et de... Voilà, elle a fini à la maison. Une semaine plus tard, je l'avais commandée. Voilà, je me trouve excuse. Par contre, pour une fois, de nouveau, j'ai reçu un nouveau toolkit. Donc on va l'ouvrir ensemble avant de regarder la toile. Je vais quand même juste l'ouvrir, sortir les diamants. Enfin non. Si, enfin, sortir les diamants. Et la faire se détendre. Ensuite, on regardera ça. Donc, hop, je vais utiliser à l'endroit où il passe. Un format très nouveau. Voilà. Alors, on va voir le petit toolkit ensemble. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu cette fois-ci dans ce petit toolkit? Hop, alors cette fois-ci on a toujours la barquette avec son petit bouchon stop. Les nouvelles barquettes hein, qui sont pailletées. Vous voyez. Les petites cires dans leur petit récipient, le squishy, le petit stylet bleu pailleté cette fois-ci. Ah, j'ai reçu un washi. Ok. Oh. Un washi qui vaut de l'argent. Un washi dollar. Il est trop bien. Il est trop bien, Swashy. Un petit cover minder. Ah, ouais, je suis pas fan. Mais bon, c'est toujours cadeau. Les deux multiplaceurs et le sachet de sachet. Ok, bien merci, Dak. Le petit Washi est trop... Il est trop bien. J'aime trop le petit Washi. En mode dollar. J'aime trop. On va re-ranger ce petit toolkit. Alors, et on va prendre le petit stickers pour vous montrer ce que c'est. Alors, c'est l'artiste. C'est la première fois que je prends chez cette artiste-là. Je crois qu'elle a déjà fait des toiles. Mais peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Mais voilà, les couleurs, le côté. Vous allez le voir cartoon. Je ne pouvais pas résister. Et c'est la toile. Poisoned de Jessie. Voilà, on reconnaît clairement Blanche-Neige. Hein. Mais regardez-moi ces couleurs. Le style, c'est trop beau. On est sur une 56-74 en rond. On n'a que 31 couleurs. Bon, vous me direz, c'est pas forcément grave. On a deux AB, un jaune-vert et un autre jaune-vert. Voilà. Niveau des symboles, écoute, je crois pas qu'il y ait de soucis particuliers. À part qu'ils ont tout nouveau foutu le 3 au 6 au lieu de le mettre au 3, mais on. C'est là qu'on commence à connaître. Hein. Le 9 c'est le 19, le 4 c'est le 26, le 7 c'est le 28, voilà. On connaît la chanson à force. Le petit sticker, toujours à coller sur vos boîtes, sur vos carnets de suivi où vous voulez. Et on va voir pour retourner cette toile là. Parce qu'à la base, moi ce que j'avais peur sur les layouts, c'est surtout sa bouche, le rendu de sa bouche, et au final. Et en photo, il n'y avait pas de souci. Alors maintenant, en vrai... Ah, et en vert. Bon, forcément, c'est du diamant rond. Donc, le layout est un peu bizarre. Quoique vous le voyez, beaucoup moins bizarre que moi, en fait. Mais ouais, j'aime trop. J'aime trop ce que je vois. Toutes ces couleurs, c'est très flashy. Ça pète bien. Bon, le contour, hein, on est d'accord qu'on va avoir du 154.
à plus savoir qu'en foutre. J'aurais jamais autant eu de 154 dans une toile. Par contre, il n'y a pas de 310. Il n'y a pas le moindre 310 dans cette toile. C'est étonnant, mais j'apprécie. Elle va être très 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 jolie, je pense. Très très sympa à faire. J'aime beaucoup ce que je vois, le collant. On va le tester comme d'habitude. Ça colle très très bien. Au niveau de l'impression, vous le voyez, aucun souci. C'est nickel, c'est DAC, c'est la qualité. Oh là là, elle est trop belle! Trop trop belle. Pourquoi elle me fait une bosse là? Je ne sais pas. Alors, on va regarder où sont les AB maintenant. Donc, étant donné qu'on a des jaunes, on va chercher dans les parties jaunes. Donc, sur le contour, l'illumination de la pomme ici. Ici, ici, ici. Ouais, le 1, il est partout, partout là. Où il y a les zones les plus claires du jaune. Et le 2, il est juste en dessous en général. Il est là dans le cœur. Il y a du jaune un peu plus foncé. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il est vraiment autour du cœur, là, j'ai l'impression. Ouais, il n'y en a pas ailleurs. Il n'y en a que dans ce pourtour du cœur. Alors, autant vous dire qu'on va pouvoir en rajouter un peu dans cette toile. Parce que moi, je vois ça. Je me dis qu'il y a peut-être des choses à faire popper un peu plus. Là, on a de superbes oiseaux squelettes ici. Vous les verrez peut-être mieux. Ici, on a de superbes oiseaux squelettes. Peut-être que le côté un peu bleu des oiseaux, il y a moyen de souligner ça. Peut-être que on peut souligner le pourtour. Le cadre, peut-être qu'on peut mettre un petit peu quelque chose dans ses lèvres. Hein. Elle est tellement accentuée, sa bouche, que peut-être mettre un petit peu de choses là-dedans. 891, 892. Bon, c'est pas des couleurs classiques que j'ai forcément, mais on peut toujours remplacer un petit peu. C'est toujours faisable. Je suis pas sûre que ce soit une toile qui se prête à des strass plus que ça. Mais des AB, ouais, il y a certainement moyen de rajouter des choses et de rendre d'autres éléments un peu pétants, même si on est bien d'accord que le cœur, enfin le contour du cœur et tout le jaune, c'est nécessaire. Hein, voilà, Blanche-Neige. Hein. Mais peut-être qu'on peut en mettre dans la dague aussi, vous voyez, enfin dans le poignard. Peut-être que là, dans le cœur en lui-même, on peut mettre des AB pour le faire ressortir encore plus. Voilà, peut-être que voilà, il y a des petites choses à faire, à changer, à améliorer. On verra ça en live comme toujours. N'oubliez pas, je live les lundis, mercredis et vendredis à 20h30. Et chaque fois que je démarre une toile, on regarde ensemble qu'est-ce qu'on va faire comme ajout de AB si on en fait. Parce qu'on n'en fait pas toujours. Voilà. Ben écoutez, je vais. Je vous ai pas encore dit. Bon, évidemment, vous le voyez, hein, le pourtour, c'est du bloc. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, on a beaucoup de lignes. Beaucoup, beaucoup de lignes partout. Il n'y a pas franchement de confetti. Hein. C'est du gros bloc et des lignes. Et des blocs un peu plus petits. Voilà. Mais vous avez surtout du bloc et de la ligne. On va revenir à la toile et on va regarder les diamants. Alors forcément, vu qu'il y a assez peu de couleurs et qu'elle n'est pas immense, hein, 56-74, on a fait 3 ribambelles. Et donc, 3607, là on a une ribambelle full violet rose. 3837, 327. Bon, il y a lui qui a un autrui un petit peu. Ok, 711. 154. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sachets de 154. C'est pas commun. C'est pas commun. Du 3341, 3340, 727, 334, deux fois. 208 et 3755. Et la petite ribambelle où on va trouver nos AB certainement. 893, 608, 420, 869, 718, 3733, 340, 333, 369, 158, 130. Voilà, ça c'est le AB jaune le plus foncé. 894, 891, 963, 3326, 892, le 129, le AB le plus clair des deux. 155, 3811 et 951. Et bien voilà les amis, je vous ai tout dit sur cette toile de Poisoned. Je vous rappelle qu'en description, il y a le code affilié pour Diamond Art Club. Si vous voulez passer votre première commande chez eux, vous pouvez passer par mon lien et du coup vous aurez 15% sur vos premières commandes et moi un petit pourcentage. En description, vous trouverez aussi
tous les liens pour la chaîne Twitch, la boutique Etsy, le serveur Discord pour venir papoter, TikTok, Instagram, Facebook, la totale. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Vous rappelez qu'il faut jamais, jamais, jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!